Ministre, la parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le Président, ma question s'adresse à madame le garde des Sceaux. Madame le ministre, suite à l'évasion d'un criminel qui a profité d'une homonymie pour bénéficier d'une permission de sortie à la place d'un co-détenu, j'ai visité de manière inopinée vendredi dernier la prison du Pontet et j'y ai rencontré son personnel. Alors la manière dont il s'est évadé est pour le moins incongrue. Il n'en reste pas moins que le problème, c'est celui du greffe de cette prison, avec un très faible taux d'expérimentation, puisque le dernier en poste, le plus ancien en poste, avait un an d'ancienneté. Et l'évasion peut sembler anecdotique, mais en réalité, elle est la dernière d'une longue liste d'évasions, pas moins de 13 au cours des trois derniers mois. À Nîmes, un détenu s'est évadé quelques heures. À Réau et à Saint-Brieuc, les détenus ont profité d'une permission de sortie. À Argentan, c'est au cours des obsèques de son papa que le détenu a mis les voiles. À Nantes, c'est tout simplement par la fenêtre du CHU. À Angers, c'est une évasion à l'aide d'un drap. À Grenoble, il a profité d'une comparution devant le juge pour filer à l'anglaise. À Foix, c'est une évasion digne d'une série télé. Ils sont passés par les faux plafonds et les canalisations de la prison. À Fresnes, le détenu a profité d'un tournoi de boxe. À Besançon, d'une sortie en VTT. À Moulins, le prisonnier s'est même offert le luxe de prévenir les surveillants avant de se faire la belle. Et à Amiens, les détenus ont scié les barreaux de leurs fenêtres et ils ont utilisé les câbles anti-évasion pour s'évader. Alors, je sais que vous allez me fusiller du regard, vous allez gronder l'opposition telle une maîtresse d'école, vous allez faire vos effets de manche, nous avons l'habitude. Vous allez me répondre avec votre plan de sécurisation, vos 33 millions d'euros, vos 800 millions d'euros. Mais madame le ministre, il y a une journée syndicale le 26 novembre. Que disent les syndicats que pour tout vous leur avez proposé 8 euros net mensuels d'augmentation de leurs indemnités. Est-ce que c'est ça que vous appelez l'indépendance de la justice? Il ne suffit pas d'être une ancienne indépendantiste pour garantir l'indépendance de la justice. Alors après avoir démissionné face à la délinquance, allez-vous démissionner tout court? Merci, monsieur Aubert. La parole est à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Julien Aubert, je ne suis pas persuadée que cette attitude à la Rimbaud soit tout à fait adaptée au sujet que vous avez essayé d'aborder. Vous ne pensez quand même pas effrayer qui que ce soit ici. Simplement, il y a eu une erreur vraiment regrettable à la prison du Pontet, puisque cette homonymie a permis que sorte un détenu en permission. Nous avons vérifié, l'erreur est dans l'ordonnance de permission de sortie et cela a entraîné une erreur dans le greffe. Le parquet en a été avisé immédiatement, ce qui a permis évidemment d'engager les recherches. Nous avons également introduit une enquête administrative pour voir à quel niveau cette erreur peut être détectée, parce que nous améliorons le dispositif de suivi et de vérification. Et bien entendu, surtout, nous généralisons le logiciel GIT que vous avez évité de mentionner, que nous avons installé l'année dernière et qui permettra ce double contrôle. Nous en avons les moyens, oui, nous le généralisons sur l'ensemble du territoire. Il vous aurait fallu beaucoup plus qu'une question d'actualité pour citer le nombre d'exemples dramatiques et malheureux d'évasion sous le précédent quinquennat. Je ne vais pas vous rappeler, malheureusement la libération d'un multirécidiviste violeur en octobre 2008. Je ne vais pas vous rappeler non plus l'évasion d'un important trafiquant de drogue en 2011. Je vais vous rappeler simplement que le taux d'évasion sous l'ancien quinquennat était de 0,61%. Il est sous ce quinquennat de 0,47%. Donc effectivement, nous pourrions vous expliquer deux ou trois choses, mais ce sont des choses que nous prenons au sérieux, que nous n'avons jamais exploitées lorsque nous étions dans l'opposition, parce que nous avons du respect pour les citoyens de ce pays et nous avons surtout une haute conscience de notre responsabilité pour améliorer la protection et la sécurité des Français. Merci, madame la ministre.